mettre sur le pied et me tuer. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Éclébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. 5 minutes Nabiso Lelo Ezali version. Il y a la musique au Bolingaka Mingi Boebi que Tozali na deux types d'émissions. Donc il y a la musique au Nazosa et Labino Lelo. Et puis il y a édition spéciale au Tozali et Labino ba chapeau. Il y a actualité nyo surtout et les kaka na mboka Nabiso Lelo. Toko Sololana Bino parce que gouvernement Oyo Moutazali na Lupemba et puis Bateau Bazali Kozela Mingi suite y a ma déclaration Azali Kosala Ezali ministre de justice. Ministre de justice Makambu Oyo Azali Koloba Bouyebi Tosei Lakiye émission moko spéciale pour naye mais Azali ko continuer ko pesa ba congolais et lengi ngai personnellement nazali na confiance na ye parce qu'il faut boyer ba keye a witi na opposition donc ba toi pouvoir za na mawata na bangote donc soka kangi yo na couloir na ye ha ye ba ko sambwe donc bino moko boyokaki ba déclaration o a salaki to ko zongile la bino ngo botala. Ils ont payé ça et sengo parce qu'on ne va pas se voiler la face, on ne va pas faire la fine bouche. Justice à Mboka Moutou et Bébissi, mandat Liboso président de la République. Et tiens, on va tâche, tâche. Parce que donc, même le juge, comme qui, donc le juge, il corrompu, il est sérieux, il est zaté dans la justice. Il est ministre de la justice, il est remise et reprise. Na prédécesseur na ye a memi mboa. Ezali si li moko ezola ki sake bo ye ba ke jezate donc misusu ba ko liama na mboa. Donc to la ki sabino deja bo tala nenga ya ki na remise reprise bo tala ki ome ezali loko moko fete. Rare pour ne pas dire rarissime donc vraiment ministre aya na remise reprise na mboa. Bo landa bino moko. La dit donc ezali masolo ko sakalate bo monate ka yaka na mboa ka kabona boy mais la tika ki na ndako ezali vraiment très significatif donc bino moka bo comprendre que jezate et puis botala jar en bois o ya ye na ezali eloko ko sakalate botala ka ministre bino moko boyebi ke tout ça la ki en autant que la ki sa ki bino donc
na parler du peuple tant que na ko valider gouvernement oyo ya mama na biso Judith Suminwa bakana ko investir ango bomona talaka donc izalaki nan côté mais botala babosa ni kombo na ye ministre de la justice tant que bazo tanga ba ministre d'état babosa ni kombo na ye izalaki Vital Kamerhe Mutarabalaki premier ministre asengaki excuse parce que ça là nan côté mais izali biloko moko izali ko laksa déjà que ministre ayé na Lupemba ko sakalate botala bino monde babosa ni kombo na ye et puis premier ministre na biso asengaki excuse azongeli susu kombo na ye parce que bako bosa ngoka abote et bino moko botala na bilili. Nous allons demander au ministre de l'État, mesdames et messieurs les ministres d'État, saluer le public et aller vous rasseoir. Ah, ministre de la Justice. S'il vous plaît, madame la première ministre, je vois que vous avez oublié le ministre d'État, la Justice. Je crois qu'on a oublié le ministre d'État à la justice. Effectivement, avec toutes mes excuses, monsieur le ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, monsieur Constant Mutamba Tumbunga. Mais naye bisibino ba déclaration oyo tant mutamba zali ko sala ezo bimisa batna ba chair de poule toko tiela bino boko landa yango parce que naye bisibino que moi j'ai confiance en lui parce que azo sala jete so muta azo sala je boko comprendre bo telika ba déclaration a salika ka de na remise et reprise prédécesseur na vandi pembeni azo zo ma sase ya kosakanate a lobi makambo ya ya so net ya ba tempo officiel du passé ya za garde so a lobi makambo ba boloko ba fa kwa penza osala ka ba boloko uniquement ba fa kwa donc politicien oyo ba kokanga na ki fa kwa mikolo yo ah il est mal barré donc a lobi masolo Kagame Kagame ah donc a lobi masolo nanga donc baza prévenu déjà que il y a que ça na bango li sécurité mais le cas tozali koloba et souka na malobaté mais na bisi bino ke nga na za na confiance na ye et souka na malobaté parce que elenga pesi biso déjà avant banda masolo ezali li sécurité bolanda bino moko to tchili bino bolanda ba déclaration o ya sali kaka na remise et reprise et puis tout moni et circulé déjà donc na note moko ministériel que alingi makele l'été makelele bozo mona ke école za pembeni bareza pembeni to boite be église ba sambela ka mais nuisance sonore makelele oyo vandi donc olingo lingate ozoka musique na ko moneza pembeni école bana bana ba kotanga ndenge nini donc alingi susu masolo anate to ko mona ndenge kozwa décision assez a pesa ki ba injonction na ministre oyo etali na hôtel de ville balandela masolo parce que yazo sa bali sekite atabino moko na balabala bongo bomona donc 5 bars 6 bars surtout so, bati sous l'église to batek bolo batek to za contre l'église mais quand même ezabilo moko boiko ko sala mate na mboko penze zali na justice nango bolanda bino moko ba déclaration a sala ki ezali vraiment ya ko zango très très au sérieux. Restez connectés sur Clé Bois original, on revient tout de suite. Au plan sécuritaire, nous allons nous atteler et le plus rapidement possible pour que Corneille Nanga et ses complices soient jugés en procès public.
qu'ils soient condamnés par défaut et que nous puissions nous organiser avec des pays frères, avec qui la République démocratique du Congo est en coopération judiciaire pour pouvoir les gêner, les appréhender et solliciter leur extradition. Et ça, c'est l'une de nos priorités. Au niveau international, nous allons très rapidement déposer une plainte formelle contre M. Kagame, l'auteur depuis trois décennies des millions de morts congolais. Et nous allons très rapidement nous atteler que la Cour pénale internationale fasse son travail. Sinon, nous proposons au président de la République notre retrait de cette cour. Nous allons très rapidement lancer la construction de la prison pour les détourneurs de deniers publics. Prison Yamibi. Et je suis content que Mme Rose ait déjà entrepris des démarches dans le sens de la construction des prisons. Elle a effectivement fait référence à la construction de la prison pour les femmes. Mais nous pensons que la priorité, c'est plutôt la prison pour les voleurs d'État. Et cette prison sera visitée par nos enfants. Nous organiserons des visites guidées pour que chacun de nos enfants qui naît sache qu'il existe désormais une prison pour tout celui qui vole un dollar de la République. Nous allons commencer par la création du sceau de l'État, du sceau de la République. Depuis 60, nous n'avons pas eu de sceau de la République. Et nous allons l'uniformiser pour tous les ministères. Il revient au ministre de la Justice, le garde des Sceaux, de pouvoir donner à tous les services de l'État le sceau de la République. Aujourd'hui, on fabrique des sceaux à Gambela, on en fabrique à Botour et partout. Vous verrez un ministre, après son investiture, envoyer son parsec, se faire fabriquer son sceau, âgé d'encre au marché. Donc nous allons, sur la base du dossier que nous soumettrons au chef de l'État, commencer par là. Nous allons commencer par là. Et donc... Donc, bien au Bolandi, donc décision Oyazui Azila qui coûte tout et que au jour et le Kamoko, Koloka y a remise et reprise. Donc, il y a Azaliwana, lui qui est présent derrière, il y a donc il y a Azaku tout et que na Sonio, il y a Union Sacrée de la Azaku tout qu'on a parce que il y a huit une opposition. Donc, candidate opposition, donc, car aussi ça on a fait quoi? Parce que on en a marre de faire quoi? Donc, faire quoi Azaliko, yo qui s'abuse passe au moment que muta yibi après abimi donc azo tambola na yebo mais ye alobi akosala boloko uniquement ya bafa kwa di boye ba ke gouvernement oyo ya mama na biso Judith Tuluka bazali ko zela yango vraiment na population parce que ba tante ezali makasi parce que boye ba ke dollars ezali kolo ba te belé bazo lela donc ba prix ba damas ben c'est normal sur dollars ezali kolo ba prix komata donc bazali kozela musala ya ngana bomoni ke jouana na palais du peuple ba question ya ba député okugipe ko répondre 24 heures après 72 heures après mais maman na biso Judith à 5 heures 30 minutes tango zongi a beti yango dadada ngai kisusu abaki sa mokolo moko te parce que vraiment babanda ki kozela yango na ndenge ya kosakana te donc to marqué pause publicitaire ya ba partenaire na biso rester connecté sur Eclipse Original revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, un tselé au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété.
Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Audiacimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Audiacimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. C'est Pela TV Ezali décodeur ya Banamboka. C'est Pela TV différence nango Ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. C'est Pela TV botala nango ezaka mukie. Eza mukie. Olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango e vandika na ndako mais c'est Pela TV déjà za mukie botala ozu o collection ka na poche et na course na poche avec o voyager o memi yango partout dans le monde et sikazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet internet e koma partout courant zalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais congolais kaka muta oyeba ngo donc congolais kaka muta yebi ngo congolais kaka muta oyeba elengi nini yo yo kaka donc congolais kaka muta yebi ngo donc c'est Pela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc c'est Pela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec c'est Pela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de c'est Pela TV. C'est Pela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution, toujours. Salon Mbembe Wami, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Oyobino Boyebi, Bomouni Bango, to félicita Kabango pour ba renouveler ka. Donc vraiment, confiance na Bango, automatiquement na ba nenyo surtout et puis Binope, Bozalarana Bango, Mayele. Et puis Nazali, ko apprendre Binoke. Semaine au Tozo, que ça là, vers la fin, Tozo a DG Yakodia Simon, M. Henry, parce que Ayako éclaircir Bisso, parce que la zone d'ombre est comme Bélé, le client, ou parce que Bambon, on a Bamisou, Bazali Kozela, Baye, évolution, Yabandako, Yakodia Simon, et comme Wapi, Tozali Kokende Wapi, na garantir Bino que d'ici semaine Oyo, Tozo a DG Yakodia Simon akoya ko expliquer biso et puis tozape na soirée nene na France kuna na Grigny Centre na Essonne na 91 na journée oyo ya le 30 juin donc Brice Saint-Pierre na mama na biso Mati bazali ko organiser na communauté congolaise mobimba barbecue moko donc géant bino tout bozala wana to cheli bino botala ndenge basali bande annonce pour la journée le 30 juin barbecue géant. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Ma félicitations à Brice Pierre, Nana Maman Abisso, Mati, Bazali Batumoro a félicité le 30 juin, Zali date moko vraiment très significative, Balinga qui est le Kaboyete, donc Banatou Agrini, Banatou Essonne, donc il y a 77, puis il y a 94, parce que Zaba département moko, donc frontalier, Baya Kosepela, na ba ninga na bango ba congolais na le 30 juin donc talinga ki parce que tozo ki ba problème moko technique bo moni 3 jours to sali depuis vendredi tozo l'examen mission c'était vraiment indépendamment na volonté na biso boyebi donc ba caprice ya technique ezalaka donc ozo s'attendre était sali o masolo na tena ki vraiment le 14 juin le kaki nango sala message moko concernant Papa Wemba Muse, donc le Nkou Yaka, Oyopenza, Azali, Azalaki, donc star de renommée internationale. Donc Datouana, il aurait eu 75 ans d'âge. Mais Atikabiso, Nzambeye Moko, Aibi, Ponani, Nazalaki, Boyengai, Nazalaki, n'a pas difficulté, Bele Ponandotala. Donc cimetière Naye, Nabandaki, jamais Kubengaye, na marque y allait passer donc na tena qui vraiment jour oyo vraiment na pensé na yé na kati ya émission oyo bobi kengaza la musique donc vraiment na 14 juin oyo Papa Wemba il aurait eu 75 ans et bi joué bandoza pensa que abandai ko zang sa jamais ko tambola na Ogi Banga l'écrivain Wazaiki donc secrétaire na yé na bureau donc jour au moins avec na au moins avant mine na café zaio za na porte de pantin ba vandi wana donc zalaki vraiment et abandai père mo ko senga mess na Blamenil pour na jour oyo donc imoka kanzambe ayebi lo ko salaki et puis na profiter pour na betela bino anecdote moko donc gata on a tout ça là na administration kuna na France na zalaki na collègue na ngamo ko penza mundele mundele penza solo boa combo Lionel le grand donc mundele français de souche si koto bandoko sala na ye donc bandoko mona ye mo papa papa tal répété fait azomo la ba période ba papa bandoko le kamingi na ba chaîne française la 1 la 2 ayebi singa pringa na ABC ah lo bina nga na ABC mais oyo Adapi qui vient en Haï, donc on a une période au solar, Babina. Ah, César. Il y a un membre de la famille, il y a un bénin, il y a un solar. Oh, il y a un bengi, il y a un téléphone, il y a un bengi, il y a un téléphone. Donc, il y a un niveau, papa, il y a un star de renommée internationale, il y a un niveau, il y a un Johnny Hallyday. Ba snavour donc azo kamoke ngana zo téléphone na benga ina ole quand même pas na 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 na
na mutu na moko ou bien secrétaire ou bien mutu azo occupé ma kam na albi yo soko bengi nga bina ko benga ye na bi pa to zai pe na biro na biza na benga ye na bengi pe papa m'a décroché na pesier na biza na peso collègue na nga moko boye donc a se plarano alingo so na yo na pesier collègue wana collègue wana ba sololi papa m'a dit ba solaka pour bon papa m'a gagné tondo sur la paix na français a so une collègue wana français ba sololi très très bien. Mettons on a quatre jours que collègue en azur sanga non t'es César t'es aïeté ngabi oh Léonel au sololi na yé a le bien aïeté les aïeté parce que on dit pendant yo ya y a un barophone y a moko bon parce que na niveau oh y a papa yamba na pour ozwa phone na yo benga ya yamba y a moko donc c'est impossible il faut couer na 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 muto azo kipe ba makamona ye na secrétaire bien les années dit que ozo numéro Johnny au bengi ozu ye donc le boss la membre ya famille na ye masana collègue nanga wana dimite na c'est bon zila to kota la donc ba mikolo e koya na roluka to zo rendez-vous na memo ti na parler la bi o memanga na parler nga bi na ko memo na parler na ye total pe be na la semaine na mona ki weekend e ozani to zaki na pom mo boye na bi bon yara to kena la papa mbazo vanda na olne na kote wana wa concessionnaire mo zaki na simabo na zui masana Léonel na bi yara to kena na zui to kei. Donc masana zo ba toujours que pas n'nga bito zo ke n'est pas na ye to komi pe wana to koti bo donc papa Mbappé azali na ye donc na mogonda azali ne donc vraiment donc teni mo estival pour azali na ba moyi bo to koti ay ambibiso donc to koti ti na salon to vandi to zo koze to koze to koze to koze ba solo linga na bemoni kolego na pesa kio yeyo mais abando ndi mateke yo yo mto yamba kinga na telephone confirmé a kolbi non non ko nanga mtu to solo la kinga na yo donc to fandi na pe donc to fandi to meli après bon to bino vie même si tongo ke to kei a pese papa mba mbo ta jou autographe papa mba pese pe album moro bo ebima ki ya sa ile dédicace bani to zongi mais donc collègue wana zo sa wana zo sa mundele de souche donc Léonel le grand to zongi bonaka donc azo ndimate to zongi mokati na boula zo sa ba collègue ne non nga pe na moni papa mba zale ka zo papa mba alegi na TV fo benga nga eh bona boy moko bakanga ki papa mba bo ah lobil kamunini pourquoi bakangi après moko papa mba kufa ki donc regreta ki mabe a regreté na niveau moko donc azali penza bo senti penza azali na mawa donc pour bon mona gaga ke anecdote wana linga na bete la bino pour bo comprendre penza que papa Wemba azali penza star de renommée internationale a solo ya ba congolais a écoute jeté donc ya wana tena y vraiment na jour ezala ki fallait na sale émission le 14 juin pour na yeb sabino que ezala ki papa Wemba il aurait eu 75 ans d'âge donc vraiment Nzambe abatela parce que n'avait pensé que l'unkuru akeyi pensa pembe na Nzambe ndenga zalaka wana zalaka pembe na Nzambe parce que azaki vie moko boye motema malamu donc vraiment akanga kakanda te soka lobelo likambo après esili kaka ndenga na donc vraiment ogibanga na yebina ero donc vraiment ogibanga zo kanisa masolo oyo parce que yebi jour vraiment babando kubima trop na papa Wemba l'unkuru. Donc si quoi on a zongé les bino parce que ministre Oyo Yasika justice ce qui a sali makambo azali koloba a rozala ministre ali bosso a ko marqué passage na ye na ministère à justice et ko tika la batou d'une façon indélébile na mutu na biso parce que makambo azolba ya ko sala ba fa ko apesa prison na bango ya ko longola ba makelelo na balabala et puis apesi attention puis la mosquée ba na Kagame na Nanga baza prévenu donc alobi penza ko kanga Nanga ko yene penza tina kisasa et vous allez jeter puis ngana zo sabino ke azo sala jeter na ndenga na zo mone na ye azo sala jeter et puis ministre na biso a sika justice constant mutamba to sengi na yo dossier oyo ya bukanga lonzo ezonga dossier o abukanga lonzo ezonga lelo matata mponyo azali ko se retrouver parmi ba sénateur parce que ba grand fa quoi tout ba kendaka na suka na ba on ba kena robomba na na sénat bota la période abandai ko ba bilobela o abandai ko senga bi justice ba zola ndate justice boy na boye o abandai ko senga ba zungisela immunité ne pas immunité na ye sénatorial
boyoka réponse oyo bayati apesa ki ya douceur ya malembe oyo bayati loba malembe ba betie masasi bino moko bolanda. Votre motion d'information, je voudrais d'abord dire à tous les collègues ici présents que je suis tranquille, j'ai ma conscience tranquille, je n'ai de problème avec personne. Et je ne répondrai pas à toutes les imputations dommageables de notre collègue qui traite et moi et notre bureau de complices, de monteurs de faux dossiers avec la justice, de tous les péchés qu'on peut imaginer. J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice, après avoir attaqué même ceux qui sont dans son dossier lorsqu'il disait que pourquoi on ne le poursuit pas alors qu'il se déplace. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Mon nom, c'est Modeste. Vous pouvez insulter du matin au soir. Moi, je ne vous insulterai pas. Et je n'en ferai pas un problème. Mais il ne faut pas me prêter des intentions que je n'ai pas. Dieu me voit. Vous êtes responsable de vos actes et il faut en répondre. Il ne faut pas chercher de bouc émissaire. Vous dites que je vous ai remis le réquisitoire avec plaisir et sourire. Même si on était cynique, chers collègues. Lorsqu'un collègue est atteint par une situation malheureuse, comment on va sourire et avoir du plaisir à lui notifier le document? Comment on peut se l'imaginer? Le collègue, ce n'est pas la première fois qu'il accuse le bureau. Il est même allé en justice jusqu'au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, on lui a démontré que nous avons agi conformément à la Constitution, conformément aux lois du pays et conformément à notre règlement intérieur. Tout à l'heure, c'est par respect que je n'ai pas voulu l'interrompre. Mais vous avez remarqué, chers collègues, ce n'était pas du tout que ce n'était pas une motion d'information. Parce qu'une motion d'information doit être un complément essentiel à l'orientation des débats sur le sujet en discussion, soit une information d'ordre général. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves, qu'on vous a dit que, en tout cas, il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous, on n'était pas là. Ici et la fois passée, c'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Bukangalonzo, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16 et 17 du procureur général, il nous a saisis pour un tout nouveau dossier des biens aérianisés, où on vous accusait de justifier le montant de 110 907 681 dollars américains et 27 894 707 euros. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées. Et donc, par parallélisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici et devant les collègues, c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici des biens aérianisés, pas dans Bukangalonzo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre cela?
amenez-nous, puisque le procureur, là, je vous ai dit non, en tout cas, il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves. Mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Voilà, chers collègues, je pense que toute patience a des limites. Nous avons été tous les jours perturbés par ce dossier. Nous n'avons rien contre notre collègue. Nous l'avions dit que nous avions de la compassion pour lui, parce que nous ne pouvons pas souhaiter qu'un collègue, un malheur l'atteigne. Mais le dossier est au niveau de la justice. Nous ne sommes pas concernés. Si la Cour constitutionnelle, et c'est par là que je vais terminer, elle-même a interprété autrement l'article 164. Je parle sous le contrôle des juristes qui sont nombreux dans cette salle. Article 164, prenez votre constitution. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié ou pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger les co-auteurs et complices. Pourquoi j'ai élevé la voix lorsqu'on est arrivé à ou à l'occasion de l'exercice des fonctions? Moi, j'ai participé à la rédaction de cette constitution en tant que parlementaire. Pourquoi nous avions ajouté ou à l'exercice de leurs fonctions? C'est-à-dire que la personne peut ne pas être en fonction aujourd'hui, mais être poursuivie pour le fait qu'elle avait commis lorsqu'elle était en fonction. Donc, ici, c'est clair, vous pouvez être sénateur, vous n'êtes plus Premier ministre, mais les faits que vous avez posés lorsque vous étiez Premier ministre sont justiciables. Bon, maintenant, ce que la Cour a fait, ça ne nous engage pas. Mais moi, je vous donne le texte, sinon on aurait pu dire tout simplement, vous suivez pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de ses fonctions. Point. Et pourquoi on a ajouté à l'occasion de ou à l'exercice? Donc, je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre. Parce que vous dites vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous nous laissez tranquille. Nous, qu'est-ce qu'on a à gagner dans un dossier? Qu'on vous condamne ou pas, qu'on vous accorde de la liberté ou pas, mais qu'est-ce que nous, on a à gagner? Vous dites que c'est politique. Nous, moi, personnellement, je veux vous en vouloir pour quelle raison? Politiquement, comment je peux vous en vouloir? Vous connaissez ma situation, ma position? Vous connaissez mon poids politique? Je veux vous envier pour quelle raison, chers collègues? Vous êtes seul. Mais moi, j'ai combien d'élus derrière moi? Combien? J'ai 70 députés provinciaux. J'ai 41 députés nationaux. J'ai des sénateurs. J'ai des gouverneurs. Des présidents des assemblées. Je veux vous en vouloir pour quelle raison? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Soyez vraiment rassurés, et je le dis en tant que chrétien, que ni moi, ni les membres du bureau, nous ne vous en voulons pas. Voilà pourquoi je vous rappelle, chers collègues, que votre démarche ne doit pas viser à perturber nos travaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, je préfère que vous nous ameniez votre document de non-lieu et on en termine. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons la séance. S'il vous plaît, honorable président. Non. S'il vous plaît, honorable président. Nous ne sommes pas dans une dictature ici. Hein? Vous l'avez bien dit. On n'est pas dans une dictature, honorable président. Vous êtes président d'une chambre et il faut quand même accepter que le débat se passe. Ce n'est pas, vous n'êtes pas le Sénat. Je sais tout ce que vous avez préparé, je le sais. Non, c'est peut-être vous qui avez préparé, parce que vous ne pouvez pas monopoliser. La Cour constitutionnelle a donné son arrêt. Vous n'avez pas la parole, collègue. Coupez le micro. Vous n'avez pas la parole. Ce n'est pas possible. À présent, nous abordons le point relatif à la poursuite du débat général sur le projet de loi de finances rectificative
et celui portant reddition des comptes de l'exercice 2020. Chers collègues sénateurs, je rappelle qu'au cours de la séance d'avant-hier, nous avions suspendu nos travaux pour permettre aux membres du gouvernement de préparer les réponses à donner aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Nous souhaitons la bienvenue dans cette salle de Monsieur le ministre des Finances. De Bino Mokobo Witi Kolanda, réponse Bayata Pesa qui est en matata en pognon, Azolo Babi Lobela, Bilobela, Bino Moko Boulandi, qui est allé jeter à mon appenza. Donc, justice, au ministre Yassika, au Penza Hollande là-bas, fa kwati na souka, il faut vraiment te saigner na yo. Ministre de la Justice Constant Mutamba, dossier Oyo, il y a procès à dossier à Bukangalon, je fais zonga parce que ma tata Pogno a coquille qui échappé biso boyete. Donc il y a vraiment, na linga qui vraiment na sa la musique, il y a ministre de la Justice, Oyo, il y a Yazana Lou Pemba Kosakanate parce que ma déclaration a sali, il a jeté. Bon, boule ka moutaloba qui attend momi na yata, banana yeso qui va sali, fracatabaro, liama. Ils ont jeté donc tous ceux-ci là. Ngai, nazana confiance na ye, nan dimité ke, akosa il a été soko talika face na ye, donc azo sala jeté. Donc na komi, vraiment, na souka, ya émission na biso, ya lelo, bouibika ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Soko to komi na souka, avant to banda, ba dédicace na biso, ba remerciement na biso. Nazali vraiment comme ça la dédicace spéciale na Jonathan Mwalaba parce que balobaka azali fonctionnaire balobaka oba fonctionnaire surtout na ministère des affaires étrangères que ba sala raté donc ba fonctionnaire donc réputation na bango comment que ba sala raté ba lia mbongo pamba mais na Joseph Sabino Jonathan Mwalaba azali assistant politique ya secrétaire général na affaires étrangères azali professionnel j'ai eu affaire à lui donc na Joseph Sabino défaité azali président mutu moko na kanisi pona ngai fois mata grade tous les ans parce que za professionnel ya kosakanate donc vraiment na linga ki vraiment na beta c'était ba tout ba comprendre que na kati ya ba fonctionnaire surtout na ministère des affaires étrangères ba mona ba tout ba sala musala donc ya bien té Jonathan Mwalaba azali mutumoko oyazako sala musala azali ko pesa et sengo na musala azali ko sala azali ko kende donc na direction ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi Fatshi Béton donc sikodo to koti na kati ya ba remerciement na biso oyo to mesana ko sala na 5 minutes to bandara toujours honorable Jean Mutala na mwasi na merci na nyoso tout pour sala rapport na 5 minutes avec César ngadi to tigali toujours na kata Londres pour na repesa le grand stratège ba te bele ba comprendre était donc José Kana le grand stratège ça donc ya ko sakanate na ko sakate le grand stratège José Kana ki kakamene Maître Wera Mukunana, Maître Rajamoule, merci Nanyo Soutou, pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadito, qui est dans 4 Espagne pour nous repérer sans na Beloti Mavungu, vrai chéri, Nandenga Moukete, Boubinga Nako Sarate, Beloti Mavungu, merci Nanyo Soutou, pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadito, qui est ici, qui est dans 4 il y a Bruxelles pour n'arroper ça poutou de yalola poutou de yalola merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc je suis na Katia Paris pour n'arroper ça mbote na égide de fer na Dieu de Nekumbi merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi chai mukenge chai wabalenge la mon voisin chai mukenge chai merci nanyo surtout pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tout est toujours en Akatia Paris pour nous Fifi Filofaria. L'homme à la Mercedes c'est très très propre Fifi Filofaria. Merci Nanyo surtout au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Akatia Glante vous allez couper ça Jenny Jane Ampeti petit c'est propre Akatia Irlande. Merci Nanyo surtout au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, donc Agnès Mababa na Katia Paris. Agnès Mababa, merci. Nous surtout pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi.
tokei sikoyo na kati ya ba commentaire o totangaka tokobosana te. Donc le philosophe on abengaka Eddie Edo le philosophe a partir ba commentaire ne bo comprendre o azali moi na mayele parce que tabazo mona yo te mais à travers be cri na yo o comprendre que mutu azamu ta mayele na mutu azamu ta zoba tokobosana pete Igwe chef béton, Igwe chef béton, merci nanyo surtout au sala rapona 5 minutes avec ses angadi en Afrique du Sud tokopesa mbote na Roger Bamba, Roger Bamba petit frère propre Roger Bamba, merci na nyo surtout au sala rapona 5 minutes avec ses angadi to awa na kati ya kisasa baz na kati ya kisasa Alino Alain Ngonjo, Alain Ngonjo, merci nanyo surtout au sala rapona 5 minutes avec ses angadi Ila Fabato la Jean-Louis ingénieur Ila Fabato la Jean-Louis, merci nanyo surtout au sala rapona 5 minutes avec ses angadi bobito su qui sera toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba, Jean-Paul Djamba a présenté l'émission Kitoko, il y a Parlo Santé et puis Naba Conseil, surtout à Pessarabiso, Nakati, il y a 5 minutes. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Moi, j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Prochain rendez-vous dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi. Pendant très très longtemps, Bobo Sanate, Kanambe, Aruzwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.